Cela dit, avant de dire deux mots de conclusion, ce qui n'est pas très facile, parce que faire des conclusions, ça me fait penser à ce que, je dirais, emblématise l'affiche même du colloque, c'est-à-dire des portraits éclatés, et puis la synthèse qui serait au premier plan, qui serait le portrait réel de Rousseau. Donc là, je suis un peu dans cet espace entre le premier plan et le second plan, et ce n'est pas très simple. Et surtout, je ne veux pas paraphraser ce qui a été fait. Mais cela dit, il y avait essentiellement des amis de Rousseau dans la salle, mais dans les communications, il y avait aussi des ennemis de Rousseau qui ont été présentés, notamment dans toute la pensée rapidement dite réactionnaire, conservatrice au début du XIXe siècle. Donc je crois que l'équilibre était bien. Donc essayer de conclure, c'est d'abord dire que ce colloque de 3 jours et demi a dénoué psychologiquement, symboliquement, mentalement, émotivement, près de 2 ans de préparation et d'attente qui ont occupé le comité fraternel de la Société Jean-Jacques Rousseau. Le succès, le premier succès qu'on peut mesurer du colloque, évidemment, c'est votre participation, et puis c'est la sociabilité chaleureuse, constructive, qui a été un des ingrédients intellectuels. Comme je ne veux pas faire des conclusions qui sont uniquement de l'autochlorification, je mettrai un bémol, ça c'est à repenser pour les prochains colloques. On n'a pas été capable de mobiliser énormément d'étudiants à la participation de ce colloque, notamment à une période où c'était plus facile, puisqu'on est après la période des examens. D'abord, en plus, cette réunion, je crois, s'inscrit dans la tradition genevoise des colloques internationaux qui ont été consacrés aux Lumières depuis une quinzaine d'années et qui ont tous donné des livres remarqués, je pense, et qui étaient organisés dans des synergies qui rassemblaient, quelquefois avec des paramètres différents, qui rassemblaient les départements d'histoire et de français, le groupe d'études du XVIIIe siècle, la Société Jean-Jacques Rousseau, quelquefois avec des partenariats extérieurs, notamment avec la Société Montesquieu, et je pense à ces colloques qui ont montré qu'il y avait une préoccupation sur le XVIIIe siècle à Genève. Rappelez-vous La Peur, Le Jeu, Voltaire, Beccaria, Rousseau, Montesquieu, l'Encyclopédie méthodique, Les raisons intellectuelles, Le sens des Lumières, et puis bientôt à nouveau 2 colloques en 2013-2014, un grand colloque Beccaria en 2013, et puis un colloque Police et Justice au temps des Lumières, début 1914, et je dirais que c'est vraiment la plateforme de réflexion, me semble-t-il, à Genève, sur les Lumières. Maintenant, amis et ennemis de Rousseau, donc Alain l'a dit, je l'avais remis en évidence dans ses conclusions, l'objet de ce colloque, la problématique de ce colloque avait été proposée par Bronislav Bachko, et il s'agissait en fait de penser culturellement la fabrication des rousseauismes antagonistes avec quelque chose qui était à la fois les dernières années de l'Ancien Régime, la traversée compliquée de la Révolution, celle de la Restauration et le long XIXe siècle jusqu'aux positions contemporaines dont on a eu quelques traces aujourd'hui à la fois dans le féminisme, dans Durkheim et dans d'autres problématiques. Donc c'était véritablement ça, me semble-t-il, la réflexion qui devait être au cœur de ce colloque, c'est comment on construit des rousseauismes et pas finalement comment on adhère, on pense avec, contre, avec Rousseau. Ça, je crois que c'est un point qu'il serait intéressant peut-être de faire ressortir lorsque les courageux décideront d'éditer les 42 ou 45 communications de ce colloque. Vous le savez tous, notamment ceux qui réfléchissent à l'historiographie, ceux qui réfléchissent au débat historiographique, en histoire, il existe des objets et des moments chauds. Il existe des objets, des moments froids. Peut-être que la réflexion sur l'ordonnance criminelle de 1670 et sa configuration de la culture juridique de l'absolutisme est devenue un objet beaucoup plus froid que ne l'est notamment les rousseauismes antagonistes, même si Bronislav a dit que nous étions dans une période de pacification. Je vous donnerai un exemple très récemment. Mais il me semble que ces rousseauismes en construction, ces rousseauismes antagonistes qu'on a évoqués durant 4 jours font partie, me semble-t-il encore, d'une historiographie d'un objet chaud, d'une historiographie qui a une problématique, je dirais, chaude. Il suffit de voir comment la ville de Genève a construit toute une imagerie, je dirais, de sa renommée internationale cette année autour de Rousseau de 2012. Un objet chaud, même si on n'a pas évoqué de manière frontale les questions classiques du Rousseau libéral, du Rousseau totalitaire ou encore du Rousseau réactionnaire qui occupent pas mal de pages dans la dernière livraison de la revue culturelle des Jésuites, Choisir, qui est parue en juin 2012 et qui revient d'une manière extrêmement forte sur l'idée que Rousseau n'est pas un penseur de la modernité, mais Rousseau, au contraire, est un penseur de la réaction et qu'il a été inscrite contre toutes les formes culturelles qui commençaient de prendre forme au XVIIIe siècle, le théâtre, l'émotion, etc. Donc vous voyez, je crois que ce n'est pas pour de nouveau prendre parti, ne pas prendre parti. Quelquefois dans le colloque, on avait l'impression qu'on était de nouveau dans ces problématiques. Est-ce que c'est Voltaire qui a raison? Est-ce que c'est Rousseau? Est-ce qu'il faut prendre parti? Est-ce qu'il faut penser contre? Est-ce qu'il faut penser avec? Je crois que ce n'était pas ça la question. La question intéressante est une question de fabrication d'objets culturels, et notamment la fabrication d'objets culturels qui est celui de la renommée,
de la renommée qui, évidemment, est obéie dans sa construction à des schémas, je dirais, sociaux, culturels, de rapports de force, économiques, qui ont traversé le long XIXe siècle et qui vont jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de regarder un tout petit peu quelles avaient été les méthodologies utilisées pendant ce colloque. Alors, il y avait beaucoup de choses, et c'est là où je remercie d'avance ceux qui feront la synthèse par écrit de ces journées. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait de la microbiographie. On a eu beaucoup de microbiographies avec des récits qui entraient immédiatement dans la microbiographie, avec cette idée que quelquefois cette microbiographie était évidente et que cette microbiographie autour de certaines figures, eh bien, qu'est-ce qu'elle avait comme enjeu ? C'était de reconstruire l'idée de moi-même à travers la proximité amicale, conflictuelle avec Rousseau. Il y avait aussi des réflexions un peu plus classiques dans l'historiographie culturelle depuis quelques années, c'est la problématique des réseaux. Les réseaux dans la République des Lettres, on l'a vu notamment sur certaines communications sur la fin du XVIIIe siècle, mais aussi des réseaux beaucoup plus, je dirais, symboliques plus tard, puisque les réseaux dans l'idéologie au XIXe siècle, au XXe siècle, ce n'est plus forcément des réseaux de proximité tels qu'ils existaient dans la République des Lettres, dans la culture salonnière, etc., mais c'est des réseaux qui vont être des réseaux de revues, de débats, de mouvements politiques, quelque chose, je dirais, qui montre qu'il y a un effet Rousseau dans une autre forme de réseautage à partir du XIXe siècle. Il y avait aussi des entrées sur l'histoire des idées, avec quelquefois, c'est-à-dire aussi avec quelquefois cette idée l'histoire des idées peut être prise, je dirais, dans son autonomie des valeurs qui sont, j'y reviendrai dans une minute, qui sont à l'œuvre dans les œuvres et dans les personnes qui sont étudiées. Il y avait beaucoup de choses en philosophie politique, en philosophie de l'histoire, en histoire littéraire, en histoire des usages, de la renommée, la réception, etc. Donc toute une série d'entrées méthodologique et historiographique, et je crois que d'une manière intéressante, notre colloque a fait écho, finalement, et a élargi le sujet du colloque de 96, édité en 99, qui était Rousseau visité, Rousseau visiteur, les dernières années, 1770-1778, et en 96, ce qui était intéressant, c'est que le sens de la visite, qui était à la fois une sens de visite directe, mais aussi une visite métaphorique, était beaucoup plus littéral. Était véritablement dans une littéralité réelle de la visite. L'objet se pensait entre des rencontres préalables à la période, le séjour parisien, quelques résonances tardives, et surtout, ce qui était comme une sorte de matrice presque du colloque auquel qu'on a consacré avec amis et ennemis de Rousseau, et surtout, la culture commémorative au Panthéon, qui faisait culminer le culte de la personnalité née avec Rousseau, et puis matrice, je dirais, à la fois de sa destinée posthume et surtout de la construction de tous les rousseauismes au XIXe et XXe siècle. L'objet de celui des amis et ennemis de Jean-Jacques Rousseau s'est élargi, me semble-t-il, beaucoup plus, parce qu'on est parti de cette idée peut-être fondatrice de la rencontre avec Rousseau pour regarder comment des cultures politiques, des cultures littéraires, des cultures philosophiques ont fait, je dirais, de cette relation avec Rousseau, un élément même, je dirais, de la problématique épistémologique de la fabrication de ce type de savoir. Et évidemment, alors, ce qui est frappant dans ce colloque d'aujourd'hui, et c'est là où j'en appellerai dans quelques minutes à peut-être quelques objets de colloque qui vont certainement arriver, à la fois sous, avec la collaboration de tout ce que j'ai rappelé des gens et des institutions qui travaillent sur le XVIIIe siècle à Genève et la société Rousseau. Ce qui est très frappant alors dans le colloque d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi sa difficulté. Et cette difficulté, c'est pas uniquement, je la signale pas uniquement pour ajouter une phrase ou deux, parce que ça touche une des questions et un des points qui pour moi est un point encore à mieux penser dans quelques minutes, c'est qu'on a élargi la périodisation d'une manière assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a travaillé en gros. On fait le troisième centenaire de la naissance de Rousseau, on a travaillé à peu près sur 2,5 siècles de pensée, 2,5 siècles de tradition littéraire, 2,5 siècles de protagonistes, je dirais, de cette culture de la renommée qui se construit. Et qu'est-ce qu'on voit dans cet élargissement de la périodisation et de la densité culturelle de ces constructions sociales du rousseauisme? Mais on voit qu'il y avait 42 personnes qui ont à peu près 15 méthodologies différentes pour penser comment on peut penser dans la longue durée la construction d'un objet qui est Rousseau dans les mémoires, je dirais, contemporaines à partir du XIXe siècle. Donc je crois que cet élargissement de la périodisation, alors ça paraît extrêmement banal, vous rappelez ce que Marc Bloch disait, lorsque deux historiens n'ont rien à se dire, ils parlent de chronologie et de périodisation, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Cet élargissement de la périodisation fait qu'on a, je dirais, toute une série de travaux qui précèdent, qui répondent à des
à des cultures scientifiques, à des cultures de la recherche qui font que les méthodologies ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est bien qu'on a eu des présidences, je dirais, constructives, on avait cet espace sous des portraits des gens qui ont tous d'ailleurs pensé est-ce que Rousseau était compatible avec la démocratie et le libéralisme. Vous regardez quels sont les noms dont ces portraits en sortant de cette salle. Mais c'est vrai que cette longue durée, d'une certaine manière, ce temps long et ces complexités culturelles dans la fabrication des rousseauismes, dans les usages et les imaginaires sociaux, des modernités politiques, historiographiques et littéraires après les Lumières, présuppose qu'il y a évidemment des problèmes méthodologiques aussi quelquefois qui font que tout le monde n'arrive pas de la même manière sur ce Rousseau dans la postérité. Et c'était frappant que les récits, je dirais, de microbiographie n'obéissaient pas très souvent aux mêmes présupposés méthodologiques que, par exemple, les récits que vous avez faits sur la culture politique, sur la culture philosophique ou sur la philosophie politique. Donc je crois que ce sera quelque chose à nouer d'une manière un tout petit peu, pas mieux, hein, mais à mettre noir sur blanc, noir sur blanc. Maintenant, je vais dire une chose alors qui est certainement trop brutale, mais peut-être qu'il faut aussi finir avec des positions un tout petit peu brutales, et je parle évidemment sous la grande bonté naturelle d'Alain Gorichard, qui me pardonnera d'être aussi brutal dans ses conclusions. Attends, je ne sais pas. Est-ce que finalement, un des objets en filigrane, mais que ce soit chez Baudelaire, que ce soit chez Nietzsche, que ce soit chez les littéraires, que ce soit dans l'historiographie, que ce soit dans l'économie politique, que ce soit dans la modernité du XXe siècle, ce n'est pas finalement la manière dont des traditions scientifiques, philosophiques, etc., ont adapté ou ont transformé l'œuvre de la pensée de Rousseau dans des rousseauismes pour essayer de comprendre, alors j'ai écrit cette phrase, quels sont les défis, comment il faut répondre à l'installation progressive à la fois de l'affirmation et des crises de la démocratie, des modernes, de la Révolution jusqu'au XXe siècle. Peut-être que toute une des grandes discussions qui portent sur Rousseau, c'est véritablement cette acculturation dont on a eu un bel exemple, notamment, je ne vais pas résumer toutes les communications, mais notamment dont on a eu un bel exemple matriciel, c'est-à-dire tout ce libéralisme de la Restauration, effectivement, qui pense les libertés contre certaines formes de la démocratie. Donc finalement, il y a peut-être un fil politique extraordinaire qui rejoint des positions esthétiques, des positions culturelles, des positions de manuels pédagogiques qui restent, je donnerai un exemple dans une minute, qui restent, me semble-t-il, assez intéressantes pour cette affaire qui nous retient ici. Hein. Donc, les rousseauistes, ce seraient des fabrications de savoir, comment on peut penser cet héritage avec ce qui se construit lentement au fil des crises, c'est-à-dire la démocratie des modernes qui est à peu près jouée après la Commune de 1871. Donc il reste, je ne veux pas revenir sur l'hostilité, les ambivalences des doctrinaires, enfin tout ce que vous avez très très bien montré, à la fois les imaginaires antagonistes entre ceux qui sont nostalgiques de l'ancien régime, qui auraient aimé un monde qui sorte sans la Révolution, et puis ceux qui construisent la question sociale au XIXe siècle à travers les deux grands questionnements qui est à la fois, je dirais, le socialisme et la démocratie. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais revenir avec quelques questions ouvertes pour terminer, qui sont vraiment des questions ouvertes, qui m'ont interpellé pendant tout le colloque. En réécoutant tout ce qui a été dit aujourd'hui, j'avais sous les yeux un des livres, et je me dis que quelquefois, lorsqu'on veut, et là, Bronislav Bashko aussi va être extrêmement chagriné, je me dis, lorsqu'on veut penser, et lorsqu'on veut comprendre un penseur politique, ou lorsqu'on veut comprendre la structure culturelle d'un penseur politique, la meilleure entrée, c'est ses ennemis. Et lorsqu'on regarde cet extraordinaire livre que je veux absolument une fois faire autre chose, qui est ce grand livre de Marie-Nicolas Silvrest-Guyon, évêque de Maroc, etc., qui est publié en 1802, réédité tout au long du XIXe siècle, et qui est une réflexion fondamentale sur deux choses, c'est une réflexion apologétique. Il dit « Toute la discussion de Rousseau revient à deux problèmes. D'une part, il a pensé la radicalité du lien social, et d'autre part, il a légitimé moralement la sortie par le suicide, tout aussi radicale, du lien social. Et toute la catastrophe du XIXe siècle est inscrite dans cette position. » Et en fait, ce livre est intéressant parce qu'il obéit à un modèle classique du discours philosophique entre celui qui est emprunté, d'ailleurs, d'une manière extraordinaire, aux deux lettres pour et contre le suicide de Rousseau dans la Malle de Louis. Donc il y a tout un dialogue qui fait que finalement, on a une lecture à la fois politique du XIXe siècle, il est réédité, hein, jusque sous la monarchie de Juillet, 1836, il est réédité très souvent, ce livre de cet apologétiste. Donc on a à la fois quelque chose dans la construction, je dirais, de l'héritage rousseauiste, qui est à la fois, évidemment,
Le politique, et c'est émaillé de phrases, hein, les philosophes ont inventé la catastrophe de la modernité. La catastrophe de la modernité, c'est ce qui ressort de la révolution, d'une certaine manière. Et puis d'autre part, s'adosse à cette invention de la catastrophe de la modernité, ce qui est lié à, je dirais, on en a trouvé une trace extraordinaire chez votre psychanalyste tout à l'heure, le côté, je dirais, retors, pervers, le côté d'un individu qui est contre la vie, qui est contre le bonheur, qui est contre la vie, qui est contre le lien social. Donc me semble-t-il que méthodologiquement, on pourrait imaginer, et il y a beaucoup d'échos, je dirais, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, hier, sur la position antinaturaliste de Baudelaire. On trouve il lisait beaucoup, hein, ces médecins moralistes, Baudelaire, etc. Vous le savez très très bien, il était très très influencé par ça. Mais il me semble que méthodologiquement, passer par les ennemis, c'est quelquefois éclaircir énormément les positions. Parce qu'elles sont extérieures, elles sont parfaitement désignées, et je dirais, même méthodologiquement, on gagne du temps presque pour retrouver, hein, je pense toujours, on a tous un héros au cœur de soi-même. Mon héros, il est, hein, je pense toujours à cet immense procureur du XVIIIe siècle, qui est Jean-Robert Tronchin, à qui on a, il fallait quand même que je la place ici, hein, à qui on a incriminé, je dirais, la légende noire de la réaction genevoise républicaine par rapport au contrat social, en oubliant simplement que la critique et la censure du contrat social s'inscrit dans une liste de 150 censures entre 1750 et 1790, et que si Tronchin n'avait pas été aux affaires en 1762, eh bien, c'eût été un autre procureur général. Voilà. Donc je crois qu'en partant quelquefois des ennemis, ou en partant de ceux qui ont construit un interlocuteur intellectuel comme un ennemi, un de mes étudiants vient de faire un très très beau travail qui va certainement donner forme à un petit livre sur les 380 lettres politiques de Jean-Robert Tronchin, dans lesquelles Rousseau est un interlocuteur politique, alors pas un interlocuteur sur la scène de la censure devant l'hôtel de ville, etc., mais un véritable interlocuteur politique pour réfléchir la problématique du contrat social après 1760, 10 ans, après les années 1760. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui, par rapport à la position antagoniste, eh bien, permet magnifiquement, je dirais, d'éclaircir les positions. Et je trouve quelquefois, méthodologiquement, c'est presque de l'hygiène mentale, c'est-à-dire de ne pas partir avec celui qui est le plus adhérent, parce qu'à partir de celui qui est le plus adhérent, ben finalement, on est un plus ou moins d'accord. Donc ça, c'était une remarque, je trouvais-il, qu'il me semble être... Maintenant, je terminerai avec ces quelques points. Je crois qu'il y avait, mais ça je le dis simplement pour le plaisir de la discussion, est-ce qu'il n'y a pas un effet Foucault sur l'effet Rousseau? Vous connaissez l'historiographie américaine après surveiller et punir. Foucault said, as we have to think. Et il me semble qu'il y a quelque chose aussi, quelquefois encore, dans l'utilisation de Rousseau, c'est cette problématique de la modernité. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelquefois des tentatives pour ceux qui travaillent sur la pensée politique, sociale, familiale, etc. de Rousseau? Et je dis ça d'autant plus fortement qu'on a fait cette année, dans mon séminaire avancé d'histoire moderne, une expérience assez intéressante. On a pris les confessions, on s'est mis à 15 pendant une année, et on a déployé tout le contexte social des confessions. On a redéployé l'abandon des enfants, on a redéployé la culture du travail, on a redéployé la culture artisanale, on a redéployé tout ce que Rousseau, d'une certaine manière, est porteur à son insu des conditions mêmes de la société d'Ancien Régime. Et évidemment, on peut continuer de dire le déficit de paternité chez Rousseau, et on remet ça dans l'habitus social immense de la fin du XVIIIe siècle, où partout en Europe, les hôpitaux de charité sont remplis d'enfants abandonnés. Remplis. Il suffit de voir les courbes à partir de 1760, lorsque l'État autorise et légalise l'abandon d'enfants, il y a une nouvelle courbe qui apparaît. C'est l'effondrement des coupes de l'infanticide et c'est la montée en puissance des coupes de l'abandon d'enfants. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je crois qu'effectivement, en replaquant des problématiques d'une modernité qui est construite, selon les épistémologies du XXe siècle, sur un homme d'Ancien Régime, qui est né, évidemment, au temps des Lumières, dans lequel il a la possibilité, on n'a jamais insisté énormément sur cette affaire, il a la possibilité comme un autodidacte, c'est-à-dire qu'il fabrique en permanence les conditions de sa connaissance. C'est quelqu'un qui fabrique sa connaissance. Il fabrique sa connaissance pour être un politologue. Il fabrique sa connaissance pour être quelqu'un qui est capable d'écrire des constitutions. Il fabrique sa connaissance pour être quelqu'un qui est capable d'écrire de la musique. Il fabrique sa connaissance pour être quelqu'un qui est capable d'écrire tout ce qu'il produit. Donc il me semble que s'il y a quelque chose qu'il faut essayer de penser, et je le pense en direct avec vous, sans l'avoir beaucoup élaboré, c'est d'une part ne jamais oublier que c'est un homme d'Ancien Régime,
Ne jamais oublier que c'est un homme d'Ancien Régime qui a trouvé dans la nouvelle expression des cultures au temps des Lumières la possibilité de se fabriquer. Hein. On a fait des biographies comparatives dans le séminaire avec tous ces autodidactes du XVIIIe siècle qui ont laissé des traces. Et c'est assez typique de voir qu'il y a des types, effectivement, comme Rousseau, qui n'obéissent à aucune des filières classiques de l'Ancien Régime, c'est-à-dire ni les petites écoles, ni l'école jésuite, ni rien du tout, et qui fabriquent, je dirais, alors évidemment on peut revenir avec le génie aussi de la fabrication de ses propres conditions du savoir, mais qui fabrique, je dirais, qui est un homme qui fabrique la culture dont il a besoin pour exceller à des moments divers sur des problématiques qui occupent, je dirais, la République des Lettres, en gros depuis 1750 jusqu'aux années 1780. Donc je crois que c'est important, cette problématique de la modernité, parce que je crois, en discutant des réceptions, en discutant de l'évolution, je dirais, de la figure de Rousseau, il faut sans cesse avoir en tête, pour éviter certains anachronismes évidemment, que c'est un homme d'Ancien Régime, né au temps des Lumières, et que finalement le problème de la construction de sa modernité radicale ne doit pas faire l'économie à aucun moment, je dirais, des endroits où il n'est pas moderne. Il ne faut pas aller essayer de rechercher chez Rousseau des modernités à tout craint. Rousseau est parfaitement, d'une certaine manière, archaïque par rapport à Beccaria, si on réfléchit à la problématique de la peine capitale, telle qu'elle est discutée globalement en Europe, chez ceux qui estiment qu'à partir de 1760, elle n'est plus licite. Donc ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est intéressant. Deuxième point. Oui, mais j'ai pris le travail à plein cœur. Donc, je le finis. Comme tous les autres orateurs. Oui. On avait 45 minutes sur le programme. Donc le deuxième problème, c'est ce que j'ai appelé, en écoutant beaucoup de communication, c'est comment revenir sur ce qu'on pourrait essayer de penser, quels sont les processus de socialisation culturelle dans les constructions, justement, des rousseauistes d'adhésion et des rousseauistes de refus. Et c'est vrai que la façon dont on parle de Rousseau, notamment à partir du XIXe siècle, on n'en parle pas depuis n'importe où. Il n'y a pas une espèce de vérité qui tombe du ciel et qui fait qu'on parle de Rousseau d'une manière en adhésion ou d'une manière en refus. Et je crois que ce serait assez intéressant, on l'a vu avec quelques communications, notamment, je dirais, dans les parages de ceux qui résistent d'une certaine manière ou qui sont contre, ce serait assez intéressant de construire, je dirais, peut-être en tête des chapitres du livre, de construire à chaque fois comment vous pouvez comprendre quels sont ces processus de socialisation culturelle dans la construction des Rousseaux d'adhésion ou des Rousseaux de refus. Et je crois que c'est une condition très importante pour que toutes les choses ne soient pas écrasées, justement, avec cette espèce de récit de microbiographie qui fait qu'il y a une nature qui s'impose et qu'on doit parler de Rousseau d'une manière ou d'une autre. Un autre élément aussi qui, me semble-t-il, est intéressant, c'est les traditions nationales que l'on pourrait problématiser pour encadrer ce qui a été dit sur les constructions des rousseauismes. Il y a des sociétés à longue tendance démocratique, et c'est évident que les sociétés à longue tendance démocratique n'utilisent pas de la même manière, certainement, l'image de Rousseau. Il y a des sociétés nationalistes et rapidement libérées qui vont utiliser le Rousseau d'une manière peut-être beaucoup plus manichéenne, beaucoup plus dure, beaucoup plus, je dirais, idéologique. Il y a des sociétés coloniales, il y a une société mondialisée maintenant, et je crois que ça, c'est des paramètres extrêmement intéressants. Si on est d'accord qu'on a fait un livre sur la construction mémoriale, je dirais, des rousseauismes depuis la Révolution, il me semble que c'est des points qu'on pourrait mettre en évidence. Il y a un autre point aussi qui m'a frappé, c'est que parler de Rousseau, et même chez des rousseauistes aujourd'hui à Genève depuis 4 jours, parler de Rousseau, c'est construire des légitimités intellectuelles. Ce n'est pas uniquement désigner un objet neutre, scientifique, etc. C'est bien évidemment construire des légitimités intellectuelles, construire des légitimités de parole, construire des légitimités pour dire effectivement « je pense avec, je pense contre », c'est-à-dire que je m'inscris, ou les rousseauistes, ou les protagonistes du rousseauisme, s'inscrivent dans un champ politique et social qui n'a aucune neutralité. Il me semble aussi que c'est une entrée pas inintéressante de revenir sur cette affaire. Évidemment, il y a encore un autre élément qui est au cœur de notre réflexion, et on l'a bien, je suis heureux qu'on l'ait dénoué, cet élément, c'est-à-dire qu'il y a la culture scientifique et il y a la culture commémorative. Et la culture scientifique et la culture commémorative, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, un objet de recherche peut être les cultures commémoratives, mais ici, il me semble, avec les travaux qu'on a faits entre amis et ennemis, on a certainement marqué une frontière très forte, qu'on pourrait peut-être encore mieux dessiner dans le contexte institutionnel et social des usages contemporains de Rousseau. On est dans un monde, notamment en 2012, où il y a des usages contemporains, je dirais, de Rousseau. On modifie certains paysages urbains
comme Genève autour de l'héritage de Rousseau, c'est quand même... Alors, c'est pas la première fois. Il y a un quartier à Genève qui s'est construit au début du XXe siècle autour d'une juteuse opération immobilière qui a reconfiguré le quartier de Saint-Jean avec une toponymie urbaine autour du nom de Rousseau. Mais il me semble, c'est vrai, qu'on doit absolument réfléchir cette problématique. Et on pourrait imaginer, je termine ici, le prochain colloque de la Société Rousseau. Un des prochains colloques de la Société Rousseau, et c'est tout ce que vos communications m'ont inspiré, ce serait peut-être essayer de réfléchir, avec quelques-unes de ces précautions très rapides que j'ai écrites au fur et à mesure, donc excusez-moi, le texte est un peu chaotique, évidemment, parce que je l'ai écrit un tout petit peu comme un journaliste sur le front d'une guerre et qui dit là, il est parti 3 obus, là sont arrivés 2 obus, ici une ambulance à traverser, donc un tout petit peu dans l'immédiateté. Mais peut-être qu'il serait intéressant une fois de faire un Rousseau, ou penser un Rousseau, non pas dans les traditions politiques, culturelles, européennes, qui ont été très fortement représentées ici, à peu près à 99%, et c'était normal en fonction des amis et des collègues qui ont envoyé des contributions, mais peut-être essayer de réfléchir à un Rousseau dans ce qu'on appelle maintenant, chez les historiens contemporains, un Rousseau connecté, c'est-à-dire un Rousseau connecté dans un monde contemporain qui, d'une certaine manière, recommence de penser l'histoire, non plus dans des perspectives nationales, dans 2 perspectives, celle qu'on pourrait appeler, je suis très heureux de ce néologisme, l'immédiatisation culturelle, d'une certaine manière, et puis d'autre part, une histoire transnationale qui certainement, et c'était frappant ce que je vous avais dit au début du colloque, hein, il y a une sorte de village Rousseau partout au monde en 2012, il serait peut-être intéressant, je dirais, de revenir sur cette, comment s'élabore, comment se construit une sorte de figure mondiale de Rousseau après l'heure du tricentenaire. Et puis le dernier mot, et ça c'est un mot qui m'a été suggéré par Bronislav Batchko, en 1912, le colloque dansait au bord de l'abîme. En 2012, nous dansons au bord de quoi? Voilà la question peut-être qui sera intéressante dans 2 ans, 3 ans, lorsqu'on fera l'histoire de ce colloque, ami et ennemi de Rousseau. Je vous remercie.